Du présidium de la conférence nationale souveraine. Suite à la déclaration radio-télévisée du chef de l'État, en date du lundi 26 août 1991, suspendant provisoirement les travaux de la conférence, et face à la crise politique ainsi créée, le présidium de la conférence nationale souveraine a rencontré ce matin, de 9h15 à 11h45, en sa résidence de Lomé II, le président de la République entouré de plusieurs membres du gouvernement. Le but de cette rencontre est de trouver les voies et moyens pouvant permettre de résoudre rapidement cette crise dans l'intérêt supérieur de la nation. À la suite des discussions, il est apparu que cette crise est née d'une série de malentendus entre le présidium et le gouvernement. Cette crise résulte notamment, d'une part, de la déclaration du président du présidium lors de la séance plénière du 23 août 1991, mettant en cause le chef de l'État, je cite, d'initier des opérations machiavéliques en vue de saboter les travaux de la conférence nationale et de semer la confusion et la panique au sein de la population civile. Fin de citation. D'autre part, des déclarations de Maître Okansé, accusant nommément trois membres du gouvernement, je cite, d'être le cerveau de ce complot. Fin de citation. Comme il l'avait déjà dit, au lendemain de ce malheureux incident, le présidium a reconnu que ces informations ont été livrées sans vérification préalable. Quant aux allégations de Maître Okansé, le présidium a constaté que ce dernier n'en a pas rapporté les preuves dans le délai d'injonction et considère donc qu'il s'agit de déclarations non fondées. En conséquence, le présidium renouvelle ses regrets, aussi bien au chef de l'État qu'aux membres du gouvernement mis en cause, et considère que l'incident est clos. Il a donc invité le chef de l'État à reconsidérer sa position et à venir présider personnellement la cérémonie officielle de clôture de la conférence nationale prévue pour le mercredi 28 août 1991 à 16h, adoptée à Lomé le 27 août 1991, le présidium.